ce qu'on montre, c'est 70 entreprises sur cette exposition, avec des entreprises phares d'Angers, comme Giffard, qui existe toujours, des brasseurs aujourd'hui comme Belle de Maine ou Demdag Beer, mais 70 entreprises au total qui existent toujours ou qui ont disparu. On a les entreprises d'Olivier Frère, qui était brasseur, on a les entreprises d'Avria, qui était une laiterie à Avrier. On a aussi en présentation des torréfacteurs, la brûlerie avec les cafés Léopard, par exemple. On avait des fabriques de limonade, la limonade Gic, qui était fabriquée par la société Rambaud à Angers. Donc voilà, c'est plein d'entreprises comme ça, avec différentes boissons de la région, comme là aussi les jus de fruits Copa qui étaient présents. Alors là, par exemple, on va prendre l'entreprise de chez Gabriel Rillet, donc un distillateur qui avait racheté déjà cette entreprise, qui va être dans son temps à l'avenue Bénardière. Donc, qui a disparu aujourd'hui, et on montre aujourd'hui les bâtiments, où est-ce qu'ils étaient présents. Donc ça permet aux Angevins de découvrir l'évolution de leur ville.